Dis-moi, ça veut dire quoi mule ? Mule, c'est marche ultra légère. C'est quand tu n'emmènes que l'indispensable. Oui, mais concrètement ? Eh bien, concrètement, ça donne ça. D'accord. Mais appliqué au vélo ? Eh bien, au vélo, ça fait vul. Oui, mais concrètement ? Eh bien, concrètement, ça donne ça. D'accord. Ça roule, ma poule. Petit arrêt, ravitaillement. Voilà, arrivé sur mon petit coin de bivouac. Bord d'une petite rivière. Bien sympathique. Là, à l'abri du vent. Petit bain pour se remettre en forme. Et puis après, je vais monter le campement. Qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà, ça y est, j'ai fini de monter le tarp. Ce sac, j'ai réparti tout ce qui est couchage, tente, matelas, duvet, le polygris, voilà, ce que j'ai pas besoin de la journée, comme ça, je l'attache le matin et le soir, je le détache, il n'y a pas à y toucher. Et donc sur le dos, mon deuxième sac, avec lui la nourriture, de l'eau aussi. Le reste de mon équipement, il n'y a pas grand chose. Petit moulin fabriqué, tout en bois. Bon ben voilà, je prépare de quoi manger pour ce soir. Il est 10h du soir, il fait complètement nuit. J'ai quand même réussi à faire cuire mon boulgour. J'ai renversé toute la gamelle. Donc même plus que la gamelle, j'ai tout foutu par terre, le réchaud, tout ça. Donc c'était pas gagné. Je peux arrêter, et voilà, et tranquille, c'est tout rangé, tout à l'intérieur. Voilà. Prêt pour passer une bonne nuit. Bon, j'ai super bien dormi. Il est 8h du mat, le soleil pointe. Le coin est génial parce que c'est rare d'avoir des coins, une vallée comme ça, un petit peu encastrée à la bouille du vent et avec le soleil qui pointe le matin, c'est vraiment super bien orienté. Je l'ai le matin et le soir. Donc voilà, petit déj, j'ai super bien dormi, en forme pour repartir. Voilà. Place nette, pas de trace de feu, tout rechargé.